des policiers dépités face à un pitoyable spectacle. Ce mercredi vers 19h45, 5 véhicules de la police municipale de Bemao ont été incendiés. C'est un agent de sécurité qui se trouvait en face qui a donné l'alerte. Fort heureusement, l'incendie a été maîtrisé, le pire a été évité. Mes agents qui travaillaient sont sortis. Effectivement, ils ont constaté que 5 véhicules étaient en train de brûler. Donc aussitôt, ils ont récupéré les extincteurs qui se trouvaient au poste et ils ont pu, comme vous le constatez, sauver deux voitures. Enfin, quand je dis sauver, entre guillemets, puisque le moteur est cramé, puisque le feu est parti en bas. Ils ont été très, très, très courageux, mes agents, puisqu'ils ont pris un tuyau d'arrosage dans le garage, ils ont branché dans le robinet et ont essayé d'éteindre le feu dans ce véhicule qui risquait de partir dans le bâtiment. Dans les flammes, impossible d'attraper le ou les auteurs des faits. Les agents de sécurité quand même ont vu un homme qui prenait la fuite, mais on ne sait pas qui, on n'a aucune idée sur l'auteur ou les auteurs de ces faits. Mais alors, qui est à l'origine de ces incendies criminels? Les soupçons se tournent sur les agents municipaux de Bemao, en conflit depuis plusieurs semaines avec la mairie. Ces derniers démentent toute accusation et maintiennent leur position. Ils attendent toujours un premier pas de la mairie. Tous les efforts, incidents, c'est nous qui avons fait. Hein. Nous, j'ai fait au moins 2-3 demandes de projet, propositions de sortie de conflit. Nous avons crié à droite à gauche hein, pour aussi vous que nous devons médiateur. Parce que nous avons estimé que là, nous enclenchons une grève. C'est bien parce que la revendication nous est juste et légitime. Et nous ne pouvons pas accepter chaque fois que nous signons un protocole qui n'est pas respecté. De son côté, la mairie dément fermement avoir reçu plusieurs accords de sortie. Hélène Polifonte-Molia reproche à ses agents de rompre le dialogue. Non, ce n'est pas vrai. Et je vous regarde dans les yeux. Et je les regarde dans les yeux. Nous avons reçu, effectivement, un document de l'UTC-UGTG, ça porte le titre de protocole de sortie de conflit, mais quand on regarde l'intérieur, ce n'est pas une proposition. On reste toujours sur cette demande de 0,65. Par rapport à cela, j'ai envoyé à mon tour un document que tout le monde a vu. C'est un document envoyé par la collectivité où nous faisons une proposition qui, pour moi, je considère, est une véritable porte de sortie et qui pourrait permettre, bien sûr, à la collectivité, aux deux parties, de sortir de ce conflit. Depuis le début, nous sommes disposés, je suis disponible, je l'ai été le premier jour, et puis chaque fois, ce n'est pas moi qui ai eu à rompre le dialogue. Donc, je reste encore disponible à toute forme de discussion, à toute forme d'avancée, toute forme qu'on pourrait donner à cette relecture commune du document, bien entendu, et au suivi des différents points du protocole. Il est urgent que les discussions reprennent entre les deux parties pour que le calme revienne sur Bemao.